Moi, je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs, par la liturgie de la parole de ce quatrième dimanche de Pâques, le Christ bon pasteur nous montre l'amour de son Père en prenant soin de chaque brebis, la défendant de tout danger jusqu'au don de sa vie pour elle. Demandons à Dieu, par cette Eucharistie, de nous donner son esprit pour reconnaître et suivre la voie du Christ, afin de parvenir à son royaume de gloire. Aussi, prions pour que s'élèvent dans l'Église de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses. Ensemble, chantons les merveilles du Seigneur. Thank you.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Je voudrais inviter à ce pupitre Monsieur Aïe Stéphane, premier vice-président du conseil pastoral paroissial de la Sainte Famille Rivera II. Sainte Famille, Sainte Famille, Son Excellence, Monsieur le Révérend Père, Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Sainte Famille de la Riviera, vicaire épiscopal du vicariat Monseigneur Paul Dakoury Tablé, Messieurs les Révérends Pères Alphonse Zégbéi, Apollinaire Kwaku, formateur des séminaires 5 heures du Marie d'Anyama et Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, Révérend Père Isaac Adingra, curé de la paroisse Saint-Bernadette de Doropo du diocèse de Bandoukou parmi nous, Messieurs les Révérends Pères Sylvain Kouassi et Eman Teki, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, Révérend Sœur, Révérend Frère, chers paroissiens et paroissiennes de la Sainte Famille de la Riviera, honorables invités, j'ai l'honneur de vous adresser à toutes et à tous la cordiale bienvenue sur notre paroisse, la Sainte Famille, en ce jour du bon pasteur, consacré à la 58e journée mondiale de prière d'invocation. Nous sommes heureux de recevoir en ce 4e dimanche de Pâques les grands séminaristes de nos séminaires d'Aniama et d'Abadjan-Kouté. Chers pères formateurs et grands séminaristes, je suis tout comme les paroissiens et paroissiennes, heureux et profondément sensible à l'honneur que vous nous faites en choisissant notre humble paroisse pour votre sortie annuelle dans le cadre de la journée d'invocation. Révérend Père, votre présence à cette célébration eucharistique est au-delà de la joie de vous recevoir avec vos grands séminaristes. La joie de recevoir la visite de nos enfants, de nos parents. Avant que les voix les plus autorisées que la mienne ne reviennent sur la question, permettez-moi de vous adresser mon infinie gratitude pour avoir choisi notre paroisse en ce dimanche du bon pasteur. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter et remercier les membres de la vocation de la commission des vocations de notre paroisse, à sa tête, Madame Diakité. Et un merci particulier et singulier au premier responsable diocésain de la commission des vocations, j'ai nommé M. Monet, pour sa présence parmi nous. Notre messe est animée ce jour par les séminaristes d'Abadjan-Kouté. Bonne fête du bon pasteur à tous et à chacun. Je vous remercie. Pour toutes les fois où nous n'avons pas suivi le chemin tracé par le bon pasteur, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant de reconnaître dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara, « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. »
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a été donné par le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qui n'a pas connu de Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu
mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers confrères, chers amis séminaristes,
la joie de Pâques qui continue dans nos vies et transforme notre histoire quotidienne, nous invite à engager nos forces pour répondre efficacement à la vérité de la résurrection. Christ est sorti victorieux de la mort. Il a triomphé en tout et nous donne la victoire. Il engage nos vies comme il a fait hier pour ses poltrons et peureux, hésitant encore, les apôtres, je vais parler, sortis de leur torpeur pour annoncer avec conviction et courage l'événement qui oriente toute vie humaine. Le témoignage de la deuxième lecture, tiré de la première lettre de Saint Jean, nous donne la finalité de notre être chrétien. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le monde ne nous connaît pas. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 1. C'est en reconnaissance de cette élection unique que nous nous constituons témoins et missionnaires. Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, l'Église associe à la célébration par la méditation du chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean que nous faisons chaque année, la prière pour les vocations et en particulier pour les vocations sacerdotales. Ainsi, le bon pasteur, berger de son troupeau, appelle encore aujourd'hui hommes et femmes pour les associer à l'unique désir de Dieu de faire de tout homme et de toute femme ses enfants et ses filles bien-aimées. Ainsi, par le dimanche du bon pasteur, nos cœurs et nos désirs s'ouvrent vers Dieu pour lui demander de donner à son Église des saints et joyeux prêtres capables d'annoncer comme Pierre et ses amis. Il n'y a point de salut sous le ciel et par-delà le ciel autre que le nom de Jésus-Christ. Voici donc notre joie. Oui, nous avons chanté au début de cette Eucharistie, la moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'engager encore des hommes et des femmes capables de porter son désir et son vœu, d'habiter le cœur des hommes, de transformer leur vie et leur histoire. Chers confrères, l'évangile de ce jour est une invitation lancée à nous, comme pasteurs du peuple de Dieu, pour ne pas être des mercenaires qui dévorent les brebis, pour ne pas être des loups qui dégagent l'entrée, qui empêchent l'entrée des brebis dans le pâturage. Déjà au VIe siècle, Saint Grégoire le Grand disait: il y a beaucoup qui acceptent l'honneur d'être pasteur, mais refusent d'assumer la charge. Interrogeons-nous donc sur notre être pasteur aujourd'hui, notre identité de prêtre, de séminariste engagé à la suite de Jésus-Christ, de consacrer tout court. Quelle tâche immense! Mais si nous devons prier le maître de la moisson, il est donc question de sa moisson. Ce n'est pas nous qui nous sommes constitués, qui nous sommes élus et envoyés. D'ailleurs, Saint Jean le dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Courage. Engageons-nous avec toutes nos forces et nos limites humaines pour que Dieu soit connu, aimé et célébré. À ce sujet, le pape émérite Benoît XVI rappelait aux prêtres le 10 juin 2010
à l'occasion du jubilé sacerdotal que si Dieu nous a choisis, il connaît nos fragilités, mais il compte sur ses limites humaines pour le rendre présent. Il sait que nous n'en sommes capables et nous devons lui faire confiance. Oui, mes frères, mes sœurs, si ce dimanche consacre la prière de l'Église pour inviter le Seigneur au milieu de nous et lui demander de donner à son Église des pasteurs selon son cœur, cela ne doit pas changer le sens du mot « vocation ». En effet, la vocation est la réponse à un appel. Et à ce sujet, chacun d'entre nous se sent interpellé. Personnellement, à son niveau, pour que, convaincu de sa foi, il devienne lui aussi chemin de transmission. Hier, je crois, Père Sylvain, il y a eu la confirmation ici. 400 jeunes, à peu près. Enfants et adultes. Devant nous, il y a la transition des enfants. La confirmation fait de vous des adultes dans la foi. C'est-à-dire, à la maison, vous êtes capables, si ce qui n'arrive rarement, papa ou maman oublie le signe de croix avant le repas, vous dites, on n'a pas dit merci à celui qui nous fait vivre, Dieu. Et ainsi, vous devenez ce que vous avez reçu à votre baptême, prêtre, prophète et roi. L'engagement de chacun d'entre nous, donc, devient la communauté qui annonce la joie de son Seigneur ressuscité. L'Église, en nous invitant à prier pour les vocations, rappelle que le désir de se consacrer à Dieu doit animer tout homme, c'est-à-dire la capacité de renoncer à ce qui serait normal et loisible, d'entreprendre pour répondre à l'appel de Dieu et être disponible aux frères et sœurs que sa providence met sur notre chemin. Ici, il s'agit de pouvoir rendre visible et palpable l'amour de Dieu. En effet, quand une cause ne suscite plus de la générosité, elle est morte, ou bien les hommes et les femmes qui pourraient la promouvoir sont eux-mêmes en train de mourir. Mes frères, mes sœurs, l'Église compte sur chacun d'entre nous. Mieux, le Christ associe chacun d'entre nous à l'histoire du salut, c'est-à-dire nous amener à être pour les autres un signe de sa présence. Notre existence, c'est-à-dire notre vie au quotidien, doit pouvoir dire aux autres, Dieu est vivant et il vous aime. Il excite donc notre dignité. Il anime nos vies. Il réveille, comme il a fait pour Pierre le poltron, qui avait dit, je ne connaissais pas cet homme. Et lorsqu'il a reconnu solennellement, il annonce en disant, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a établi, Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur par qui tout homme vit, conscient ou inconscient. Tout à l'heure, le prêtre célébrant qui préside cette Eucharistie dira, « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et nous dirons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Le salut du monde, c'est nous qui devons l'annoncer. Il y a parfois que le monde ne sait pas qu'il est sauvé par Dieu. Les chrétiens deviennent le signe de ce salut. Quand nous renonçons à cela, nous refusons de répondre à notre vocation. C'est pourquoi le défi actuel n'est plus axé sur le nombre. Les apôtres, ils étaient 12 avec quelques femmes, restés au Cénacle et avec le don de l'Esprit Saint, comme vous l'avez reçu hier, ils se sont engagés et aller de l'avant pour faire triompher le vrai, le beau et l'amour. Il ne s'agit donc pas du nombre, mais de la qualité. Qui sommes-nous réellement? Si vous voulez des bergers, il faut que vous prouviez que vous êtes des brebis. Savoir écouter la voix du Christ qui retentit encore dans son Église à travers la parole des prêtres.
pauvre, limité, mais consacré par Dieu. Il faut savoir accepter de marcher derrière le Christ pour aller là où il va et recevoir de lui notre vie. Pour ce faire, analysons un peu notre réalité et donnons-nous une réponse sincère. Sommes-nous réellement convaincus du Christ? Faisons-nous une adhésion de mode ou un engagement sincère? Aujourd'hui, l'Église en Côte d'Ivoire, après 125 ans d'évangélisation, doit certes continuer l'annonce, mais surtout le combat pour le triomphe de la vérité, de la justice, de la charité sans hypocrisie. Finalement, c'est un combat spirituel, car les signes du refus de Dieu pullulent aujourd'hui dans notre société ivoirienne. Et je voudrais donner simplement un exemple. Je ne sais pas si les prêtres ici présents ont vécu le fait. L'État de Côte d'Ivoire a demandé de renouveler les cartes d'identité. Les prêtres qui avaient déjà des cartes d'identité, profession, c'est écrit prêtre. On va à un renouvellement d'une pièce déjà établie. On dit dans les bases de données, la fonction de prêtre au niveau social n'existe plus. C'est des signaux qui montrent le rejet de l'identité d'un peuple qui veut se construire sans Dieu. Malheureusement ou heureusement, dans ces structures, il y a des baptisés. Chrétiens, je ne sais pas. Car ils ont rempli les registres de l'Église sans conviction. Dans les écoles, il paraît que la drogue circule. Là encore, l'éducation est mise à mal. Et peut-être, il y a des gens qui ont dit, je renonce à être un signe de destruction. Le jour de leur baptême, je renonce à tout ce qui conduit au mal et au péché et je m'engage à être le visage du Christ. Est-ce que vendre la drogue est un visage du Christ? À chacun de répondre. Il y a parfois la corruption dénoncée, là où des chrétiens disent, si je parle trop, je perds mon poste. Qu'est-ce si c'est à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre sa vie? Parole de Christ. La lumière du Christ éclaire nos vies dans sa vérité et nous invite à sortir de notre cécité spirituelle et entraîne notre vie à devenir capacité de lumière qui éclaire tout homme. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et le cœur pour comprendre les signes des temps. Lorsque on conduit une voiture et que le tableau de bord commence à signaler, il ne suffit pas de faire une pause et reprendre le chemin, il faut réparer. Notre société semble donc déséquilibrée et malade parce que la place de Dieu est secondaire. Comment peut-on comprendre parfois que pour le choix de l'école, de l'éducation, des lieux, je vais dire, les parents s'associent, mais pour les questions de Dieu, de la foi, la liberté est donnée. Oui, Dieu nous associe librement à sa vocation, c'est-à-dire à la mission de sauver tout homme. Mais cette liberté n'est réelle que si nous vivons de Dieu. Chers frères et sœurs, séminaristes, et engagées, consacrées, religieuses, notre mission est donc d'éveiller au cœur de nos frères et sœurs laïcs le désir de Dieu et la vérité de Dieu. Frères et sœurs laïcs, votre engagement dans l'Église et auprès des pasteurs et de les aider à devenir saints. Non, parce que leur sainteté est pour eux-mêmes, mais comme dit Saint Jean-Marie Vianney, dans une communauté, lorsque les pasteurs sont saints, les fidèles vivent de cette sainteté. Il est donc clair que le projet de Dieu pour nous est la communion de nos forces, l'union de nos talents, la vérité de notre engagement. Ce projet, c'est travailler à l'éclosion de l'amour, à la diffusion du pardon, au visage du Christ qui se révèle pour tous. Oui. Nous pouvons dire, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Et maintenant, tous ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est de Dieu, lumière, il est de la lumière, vrai Dieu, il est du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit. Il est le Seigneur qui vit dans la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il en a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, berger de nos âmes, aide les pasteurs de ton Église dans l'exercice de leur ministère, qui témoignent de leur vie, de leur joie et de te servir auprès de tous les hommes sans distinction. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, berger de toute l'humanité, fais que les lois et constitutions de chaque pays aide tout citoyen à avoir un esprit libre pour exprimer sa foi et ses convictions en vue de contribuer au développement de la société humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui offres ta vie pour tes brebis, donne à notre monde un visage plus fraternel et solidaire, que les plus riches soutiennent les nécessiteux, pour que ton visage d'amour se révèle à tout homme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, donne à ceux qui veulent s'engager dans la vie sacerdotale, au mariage et dans la vie consacrée, de bénéficier de ton soutien afin qu'ils discernent toujours ta volonté dans leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, porte de toute brebis, insuffle ton esprit de liberté et de fraternité au sein de notre communauté. Que chaque paroissien s'ouvre à son voisin dans son lieu de vie en devenant porteur de l'espérance en toi, le ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De ton peuple en prière. Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Yeah.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre Dieu, vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Crois-toi, il est mort. Crois-toi, il est vivant.
aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions aujourd'hui pour le repos éternel de Kwasi Gioropol et de tous les défunts qui nous ont été confiés au cours de cette messe, les différents défunts de nos familles, les prêtres décédés, les séminaristes décédés, les religieux et religieuses décédés. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ceux, nous tous enfin, ceux, la famille Kwasi, qui implore ta bénédiction. Sur tous ceux qui ont demandé la messe en action de grâce en ce jour, tous ceux qui célèbrent leur anniversaire, sur les séminaristes, les formateurs, sur les prêtres, les religieuses et religieux, sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices des prêtres, sur nos différents responsables des commissions vocationnelles. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur chacun de tes enfants présents à cette messe, ceux qui ont reçu hier le sacrement de la confirmation. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur la Côte d'Ivoire, notre pays et ses dirigeants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père. Viens, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix avec un coup de tête, comme on fait le Marguilla. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. On partage en
Prions encore le Seigneur. Dieu tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous voici au dimanche du bon pasteur. Dimanche consacré à la prière pour les vocations dans l'Église. Vocation sacerdotale, vocation à la vie consacrée, vocation baptismale, comme rappelé par le père Apollinaire dans son propos, dans son homélie. Dimanche dernier, des enveloppes vous avaient été remises pour soutenir la commission vocation de notre paroisse. Voyez-vous, ils sont venus, nos chers fils, nos chers amis grands séminaristes. Demain, ils seront prêtres, ils seront jeunes. Nous allons les solliciter. Mais avec l'âge, ils vont arriver au temps de la retraite. Or, malheureusement, lorsque des prêtres, des consacrés sont frappés par l'âge, on a tendance à les oublier. Le geste que vous posez aujourd'hui, c'est vous permettre à la commission vocation de la paroisse d'apporter son soutien, votre soutien, notre soutien à ceux et celles qui sont encore en formation, d'apporter notre soutien, votre soutien à ceux et celles qui sont en activité et surtout aux prêtres et aux consacrés qui sont à la retraite. C'est un geste fort que vous posez en ce temps de Pâques pour dire à nos aînés, dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent compter sur vous. Avec ces belles chorales qui nous viennent du grand séminaire Saint-Paul d'Abadiankouté, levons-nous, chers amis, chers frères et sœurs, pour poser chez eux de solidarité et de soutien envers les vocations dans l'Église. Merci. Voyons,
merci à toutes et à tous. Dans une série d'interventions, on a écouté deux récits de vocation, deux témoignages de la part de grands séminaristes d'Abadiakouté et d'Anyama. Et après ces deux récits, ces deux témoignages de leur vocation, nous aurons le mot du délégué des séminaristes et enfin la parole du curé et le père Nobel Eric Abécan. Mais entre-temps, nous allons faire les bénédictions diverses. J'invite les deux grands séminaristes qui feront le récit de leur vocation. Abadiakouté. Il est un peu timide, il faudrait l'encourager. Révérend Père, révérende sœur, chers parents, bonjour. À présent, je vais vous présenter mon récit de vocation. Issu d'une famille composée de chrétiens et de musulmans, je réponds au nom de Kouadio Kobénan Jean-Claude. Occupant la sixième place d'une fratrie de 11 enfants et ayant perdu mes parents biologiques très tôt, je suivis mon parcours scolaire et universitaire sous la bonne garde de mon grand-oncle. Ce dernier, étant de confession musulmane, nous a toujours soutenus dans notre pratique religieuse. Cependant, je n'envisageais aucunement une vie de prêtre. Ma vocation est née à la suite de la crise post-électorale 2010-2011. En effet, suite à la dite crise, les universités publiques ont été fermées pour réhabilitation. Pour ce faire, j'ai décidé de faire un séjour à Imblecro auprès de ma grand-mère afin de l'aider dans ses travaux champêtres. Au cours de ce séjour, je fis un même rêve durant 3 jours successifs où j'apercevais un individu en soutane. Au 3e jour, je pus distinguer le visage de l'individu vêtu de la soutane. Et c'était moi. J'interprétais ce rêve comme un fait dû à l'oisiveté du moment. Mais depuis lors, je ressentis le désir de devenir prêtre. Mais je refusais ce désir car j'avais d'autres ambitions, telles que devenir un professeur d'université et consultant dans différentes structures. À la fin de la réhabilitation des universités, j'ai retourné à Abidjan. À mon arrivée à Abidjan, à Adjamé, l'un des badauds que l'on appelle communément Tanti Bagage prit mes affaires moyennant une certaine somme d'argent. Au cours de notre trajet, il me demanda si j'étais un pasteur. Ce à quoi je répondis par la négative. Encore, il me dit que j'avais l'apparence d'un pasteur. Cela me fit sourire. Ce fut ainsi pendant 3 ans. Les personnes que je rencontrais me prenaient souvent pour un prêtre ou un pasteur. Excédé par cette situation, j'ai décidé de m'inscrire au groupe de vocation de la paroisse pour discerner, et sans que les membres de ma famille n'en soient informés. Au niveau des études et de la vie sociale, j'ai obtenu mon master en psychologie et parallèlement, j'étais chargé de suivi et évaluation dans une structure de la place. Au cours de l'année 2017, les responsables de la commission vocation de la paroisse me permis de passer le test d'entrée au grand séminaire. J'ai accepté, mais en ayant le cœur ailleurs. En effet, j'avais une opportunité de passer de chargé de suivi et évaluation à chef de projet au niveau du travail. De même, je trouvais qu'il serait pénible pour moi d'aller prendre des cours et d'étudier vu le nombre d'années que j'avais passées sur les bancs. En clair, j'étais fatigué d'étudier et je voyais une vie assez prometteuse devant moi. Je passais le test d'entrée au grand séminaire sans aucune conviction et sans préparation. À mon fort intérieur, je souhaitais échouer à ce test et cela serait le signe que Dieu ne m'avait pas appelé. En fait, je voulais avoir la conscience tranquille.
Pour cela, je fis 1h30 pour un examen de 4 heures de temps. Je voulais me donner toutes les chances pour échouer à ce test. Mais je fus admis malgré toutes mes tentatives de fuite et j'eus peur de cette nouvelle vie. J'informai mes parents qui furent dans une certaine mesure ravis, mais ils auraient souhaité que je fasse autre chose. Entré au séminaire au compte du diocèse d'Odienné, je fis la propédétique à Issia. Aujourd'hui, je suis en fin de cycle de philosophie au grand séminaire d'Abadien-Kouté, où je suis vraiment heureux de cette nouvelle expérience que je vis avec le Christ Jésus. Je vous remercie et je compte sur vos prières. Révérend Père, révérende sœur, chers parents, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis l'abbé Aïzi Ezoa Jean-Pascal, en deuxième année de théologie au grand séminaire théologique 5 heures de Marie d'Anyama, originaire de la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Mon désir de devenir prêtre commença tout petit à l'âge de 7 ans. J'étais toujours émerveillé quand je voyais le prêtre à la messe avec les servants de messe. C'est ainsi qu'à l'âge de 7 ans, j'ai intégré le mouvement des servants de messe de ma paroisse Saint-Jean de Cocody. Le curé de l'époque était le révérend père Éric Norbert Abécan. Je l'admirais énormément. Dieu faisant bien les choses, c'est le père Abécan qui m'a baptisé le samedi 20 mai 2000, après la troisième année de catéchèse. J'aimais quand il portait la soutane blanche avec les chaussettes blanches. Je voulais tellement faire comme lui. À l'âge de 8 ans, je m'amusais à dire les messes chaque jour à la maison et le prêtre que j'imitais, c'était bien évidemment le père Abécan. Pendant que mes amis jouaient au football ou s'adonnaient à d'autres jeux, moi, ma distraction était de dire la messe. Cela me procurait une joie immense. Mon grand-père, en me voyant dire la messe quotidiennement, affirmait que je deviendrais prêtre. J'ai milité dans le mouvement des servants de messe de 1997 à 2009, soit 12 ans. À 19 ans, nous étions contraints de quitter le mouvement des servants de messe et laisser les plus jeunes servir la messe. C'est ainsi que je participais seulement aux messes les dimanches, sans songer à intégrer un autre mouvement de la paroisse, car le seul qui m'avait séduit était le mouvement des servants de messe. Je n'ai fait ni le petit ni le moyen séminaire. J'ai fait l'école normale. J'ai obtenu le bac en 2008, la licence en marketing management en 2013 et le master 1 en marketing management en 2014. De 2008 à 2013, je vivais tranquillement, sans toutefois penser à rentrer au grand séminaire. Contre toute attente, en 2013, il y a eu comme un déclic après la messe de la scène du Seigneur du Jeudi Saint de cette année. L'homélie du curé de l'époque, le père André Icagno, m'a profondément touché lorsqu'il parlait du sacerdoce et des prêtres. Je l'ai donc rencontré et j'ai intégré le groupe de vocation de ma paroisse. Cette même année, j'ai refusé une offre d'emploi pour une raison que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Le 5 octobre 2015, je suis arrivé au séminaire Notre-Dame de la Présentation de Catiola pour faire la propédétique. Le début n'était pas du tout facile, car c'était un nouvel univers, mais avec la prière et la grâce de Dieu,
j'ai fini par m'adapter. Après un an de propédeutique au séminaire Notre-Dame de la Présentation de Catiola, j'ai fait 3 ans de philosophie de 2016 à 2019 au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Coutet, sanctionné d'une licence en philosophie. Avec la cérémonie d'admission et de prise de soutane qui a eu lieu le jeudi 18 juillet 2019 à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, je suis candidat officiel au sacerdoce. Depuis octobre 2019, je suis au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama pour le cycle de théologie. Je me recommande à vos prières pour le reste de mon cheminement vocationnel. Chers parents, chers frères et sœurs, merci pour tout ce que vous faites pour les vocations. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger qui connaît ses brebis, vous garde tous dans son amour, qu'il vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Merci. Voilà, chers frères et sœurs, ces beaux récits, ils auraient pu être des grands cadres quelque part, tranquilles, mais Dieu est passé par là, ils ont tout laissé. Saisi par le Christ Jésus, je crois trop. Chers amis séminaristes, que le Seigneur qui vous a appelé vous aide dans votre mission, dans votre formation, pour devenir demain des prêtres selon son cœur. Voilà, chers frères et sœurs, et bien c'est un récit. Maintenant, j'invite le porte-parole des grands séminaristes pour son mot, et après, le curé va intervenir. Révérend Père curé Éric Norbert Abécan, Révérend Père formateur, Monsieur le vice-président du Conseil pastoral paroissial et les conseillers, chers paroissiens et paroissiennes de Sainte Famille Rivera II, bonjour. Au terme de cette célébration eucharistique, marquant la 58e journée mondiale de prière pour les vocations, qu'il me soit permis, au nom des pères recteurs Hippolyte Mel Badia du grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama et de Souza Simplice du grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Coutet, et au nom de la délégation ici présente, de vous adresser un sincère remerciement. Oui, merci à toute l'équipe presbytérale pour l'accueil et surtout pour son implication à la cause des vocations. Merci à toute la communauté paroissiale, au conseil, et un merci particulier au comité pour la pastorale des vocations. Merci enfin à tous ces jeunes qui, fortifiés par notre présence, voudraient se décider à suivre le Christ. Nous vous disons, soyez-en sûrs, chers frères, l'espérance ne déçoit jamais. Car pour vous, nous avons une bonne nouvelle. Oui, chers frères, il y a beaucoup de places, que dis-je, il y a beaucoup de chambres au séminaire.
Pour la cause, moi, j'occupe deux chambres au grand séminaire d'Anyama. Donc, je vous invite, dépêchez-vous donc. Révérend Père, nous retournerons témoins de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu, de cette marque d'intention particulière que vous nous avez réservée et témoignée. Puisse le Seigneur vous affermir pour que par vous, les chrétiens de cette chaleureuse paroisse continuent de le recevoir et de croître sur le chemin de la sainteté. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Je vous remercie. Chers frères, chers sœurs, notre belle célébration s'achève. Tout à l'heure, le vice-président du conseil pastoral paroissial, en notre nom, a souhaité la bienvenue à nos amis. Je voudrais, au terme de cette célébration, prendre la parole en votre nom à toutes et tous, au nom des vicaires, mon nom propre, pour dire un grand merci aux professeurs, aux éducateurs qui sont là, aux futurs prêtres qui sont là, les grands séminaristes d'Anyaman et d'Abadien. Tout à l'heure, le père Sylvain nous disait que vous êtes venus les mains vides. Hein. Il a certainement raison, mais vous nous avez apporté beaucoup. D'abord l'homélie que j'ai beaucoup appréciée, et puis les chants. Les chants simples, bien clairs, bien harmonisés. Donc vous nous avez apporté beaucoup pour cette célébration, qui a été une très belle célébration. Alors merci pour cela. Il y a plusieurs paroisses dans notre archidiocèse. Hein. Vous avez choisi la nôtre, c'est un honneur pour nous. Et quand on nous a dit que vous veniez, pour moi c'était une grande joie. Mes paroissiennes et moi. Et nous vous attendons, vous êtes venus et vous nous avez apporté. Merci pour ce que vous nous avez apporté au nom du Seigneur. En terminant, je voudrais vous dire une chose, à vous, hein, pas à vos professeurs, ils vous forment. Chers amis, notre monde est devenu très exigeant. Tout à l'heure, j'ai entendu un jeune frère qui parlait de la psychologie, j'ai dit bravo la psychologie. Hein. Et c'est très important, votre formation. Prenez très au sérieux votre formation. Notre monde est très exigeant, les chrétiens deviennent exigeants. Aujourd'hui, avec l'intique, avec l'Internet, les gens apprennent beaucoup de choses, ils nous posent des questions. Et soyez à la pointe de votre formation, parce qu'une fois sur le terrain, vous n'aurez pas trop de temps pour lire, pour étudier. Et dès maintenant, prenez au sérieux ce que vos professeurs vous apprennent. Et nous comptons sur vous. D'ailleurs, vous donnez un bel exemple à nos jeunes ici. On peut être jeune et bien s'habiller. En tout cas, vous êtes très, très, très bien habillés, tout simplement. Belle chemise, on les félicite pour ça aussi. Très bien habillés. À la soutane aussi, hein. Il y en a qui ne les portent plus maintenant tellement. Hein. Tu as été attiré par les chaussettes blanches, la soutane blanche. Hein. Moi, tu sais, ce qui m'a attiré au petit séminaire, j'étais fatigué de manger la kéké. On me dit qu'au séminaire, on mangeait bien, il y avait le riz au gras. Il y avait la salade, c'est ça qui m'a attiré, et puis Dieu m'attendait là pour m'attraper. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, mes chers pères. Grand merci. Dieu vous bénisse et nos prières vous accompagnent. J'invite la commission vocation à avancer. Et puis ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, veuillez avancer également pour la bénédiction. Le Père Alphonse va vous bénir tout à l'heure. Dieu le bénit, oui. Donc, la commission vocation et puis les anniversaires, veuillez avancer rapidement pour la bénédiction. Père Alphonse, d'abord Apollinaire. Le séminaire, un chant pour accompagner l'anniversaire et autres. Un chant d'action de grâce. Seigneur, car il est bon, il est bien, il est bon.
y a la vie, il y a aussi la mort. Ce sont les deux faces de notre existence. Je vis maintenant la famille Kwasi. Vous êtes venus aujourd'hui prier pour votre frère, votre ami, mais avancer pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu notre Père, toi seul es plus fort que la mort et nous, tes créatures, nous ne pouvons que la subir. Le mal n'a pas de pouvoir sur toi, mais il éprouve chacun d'entre nous. Dans notre épreuve, nous t'implorons avec confiance, toi le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens. Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton serviteur Kwasi Paul Djuro, notre frère, que tu as rappelé auprès de toi. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli dans ton église en faisant de lui un membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Maintenant qu'il n'est plus des nôtres, nous te supplions, Seigneur. Fais qu'il ne lui reste plus la moindre trace du péché, afin qu'au jour de la résurrection dans la gloire, il puisse se relever au milieu de tous les saints et vivre éternellement dans ton royaume où il n'y a que paix, amour, joie et bonheur. Aussi, Dieu notre Père, regarde tous les membres de cette famille qui te supplient pour leurs frères. Sois pour eux refuge et soutien. Fais-les dépasser la douleur de la séparation pour accueillir la paix et la lumière, la consolation et le réconfort de ta présence. Que ton Fils, notre Seigneur, qui par sa mort a détruit la mort et nous a rendu la vie en ressuscitant, leur donne la force de marcher chaque jour à ta suite dans la fidélité et l'unité. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, chaque prêtre ici présent va se présenter. Je me nomme Isaac Adengra Kofi. Je suis prêtre depuis 2006, le 9 décembre 2006 précisément. Je suis diocèse de Bondoukou et je suis en ce moment curé à la paroisse Sainte Bernadette de Doropo. Pense à la fin, toi tu peux faire ici. Apollinaire Kwaku Yao Adams du diocèse de Bondoukou, professeur de liturgie, directeur spirituel du grand séminaire Saint-Paul d'Abadiankouté. Père Alphonse Zegbeyi Nyadou, originaire de l'archidiocèse de Gagnoua, mais prêtre du diocèse de San Pedro. Professeur de théologie missionnaire au grand séminaire 5 heures de Marie d'Agnama. Moi, c'est pour les grands séminaristes. Je suis le père Sylvain Kwasi, vicaire ici à Sainte-Famille, prêtre depuis 2005 et professeur de théologie dogmatique au grand séminaire Saint-Paul et 5 heures de Marie d'Agnama. Voilà, donc l'année prochaine, pour ceux qui sont en philosophie 3, on se verra si je le veux en Théo 1. Voilà, nous sommes à la fin de la célébration. Nous allons nous lever pour dire ensemble deux prières. La prière des vocations et puis après la prière
de bénédiction tout ce qui est eau et objet de piété. Prière pour les vocations. La prière des vocations. Ensemble, nous disons, Père de miséricorde, qui a donné ton Fils pour notre salut, et qui nous soutient sans cesse par le don de ton Esprit. Donne-nous la communauté chrétienne, vivante, fervente et joyeuse, qui soit source de vie fraternelle et qui suscite chez les jeunes le désir de se consacrer à toi, à l'évangile de l'organisation. Soutiens-les dans leur application à proposer une richesse professionnelle adéquate et différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel afin qu'on tous resplendisse la grandeur de ton amour miséricordieux. Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne afin que, rendue féconde par l'Esprit Saint, elle soit source de vocation authentique au service du peuple saint de Dieu. Amen. Bénédiction des objets de piété. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tous ces autres objets de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec toi. Fais qu'ils cherchent en les portant et ou en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Un grand merci à vous toutes, un grand merci au grand séminariste Labadien et Daniaman, un grand merci à tous les acteurs liturgiques et aux serviteurs de sécurité. Merci aussi aux religieuses, aux sœurs. Quand on parle de vocation, ce n'est pas seulement les prêtres, les séminaristes. Il y a aussi les sœurs, les jeunes filles aussi. Merci à nos sœurs qui sont religieuses. En nous aidant aussi, il faut aider aussi les sœurs de temps en temps. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas prendre les intentions des messes, elles ne peuvent pas prendre les dîmes. Mais de temps en temps, pensez aux religieuses. Ce sont nos filles, ce sont nos sœurs. Il ne faut pas dire que les prêtres n'ont qu'à leur donner. Nous, les prêtres, là, on sait comment on fait. Mais les sœurs, là, débrouillez-vous. Parce que le jour où un prêtre meurt, là, c'est seulement les sœurs qui doivent le laver. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, les prêtres n'ont qu'à penser à ça aussi. Alors, les sœurs, merci pour votre présence. Merci pour ce que vous faites dans la discrétion, comme la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
suis sœur Florentine Damon, religieuse sœur de Jésus serviteur. Bon, nous, on est venu présenter un peu quelques articles. Et puis aussi, c'est aussi une manière de faire aussi une promotion aussi des vocations, de dire à la jeunesse, par notre présence et par notre joie, par tout ce que nous présentons, que ça vaut la peine de se donner au Seigneur, de ne pas hésiter. Et c'est une joie de se donner au Seigneur. Enfin, on dirait que c'est la meilleure part. Aujourd'hui, c'est la journée des vocations. Ce que nous avons retenu, c'est que c'est le Christ qui est le bon pasteur, qui conduit son troupeau vers son Père. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours nous référer au Christ, qui est le bon pasteur, pour qu'il puisse nous emmener dans sa barque, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. C'est une journée de vocation, de dimanche du bon pasteur. Donc nous sommes contentes, nous sommes heureuses de pouvoir célébrer ce jour en pensant encore à notre vocation. Le premier jour, nous avons senti l'appel et ça nous redonne beaucoup de joie et de la persévérance à poursuivre notre réponse à l'appel du Seigneur. Et personnellement, je pense que c'est une grâce pour nous, pour nos diocèses, pour nos paroisses et que nous puissions encore une fois revivre ces moments de joie dans notre vie et inviter ensuite, témoigner de la vie religieuse et inviter nos jeunes à faire comme nous, à suivre le Christ. C'est très beau et il faut faire l'expérience pour pouvoir en témoigner.